Hein? Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un tutoriel sur émulateur de 64 pour programmer une manette d'Xbox One qui marchera aussi pour les manettes de 3.6 parce que c'est la même merde. Voilà, donc ça on va échapper. Je sais plus comment on fait. Voilà, donc option contrôle. Donc le stick c'est ce bouton là. Et en l'occurrence là c'est ce stick là parce qu'il y en a qu'un seul. Du coup il vaut mieux mettre sur celui là. Donc left c'est gauche, c'est ça. Right, droite, bas, haut. Donc voilà, c'est sympa. Haut, gauche, droit, enfin bas, droite. Ensuite là c'est A et B qu'il faut mettre. Donc A, B. Ça va, c'est simple. Ça c'est start. Le bouton là. Et back. Le bouton là. Ensuite, ça ce sont les gâchettes. Left et gauche. Donc c'est la gâchette qui se trouve là. En dessous de ce bouton là. Ah bah pareil de l'autre côté. Ça. C'est de ces boutons. Je vois pas ce que c'est en fait. Faut utiliser ça qui sera l'équivalent du D-pad là, la croix, le plus, ce que vous voulez là, ce truc là, plus. Donc left, gauche, droite, haut et bas. Et normalement là on a tout. Et on fait save profil. Et moi je vais appeler ça. Non, je vais le mettre à ta vue. Hop. Et je vais l'appeler Xbox One. Parce que c'est ma manette Xbox One. Et normalement, si j'appuie sur les boutons, ça fonctionne. Vas-y, et pour la peine, je vais faire un truc de malade. Voilà. Un bonus, je vous offre l'incroyable combat Samus contre Samus. J'ai envie d'être le rose, moi. Je peux pas être le rose. Ça, comment on fait? Ah ah. Alors, donc, je crois que j'ai oublié un truc sur mes options de contrôle. Voilà, donc ça, c'est le doit être le deuxième stick. Je crois. Je vais essayer, hop. Perdu, j'ai fait gauche mais c'était droite. Hop. Ah ah, donc voilà, c'est ça. Et là, voilà, moi je vais te mettre en hop. Moi je vais être en rose. Par contre, toi tu vas te mettre en noir. Non, attends, t'as quoi? Vert. Vert, vas-y. Vert contre rose. Voilà. Donc là, j'ai configuré toutes les touches. Donc voilà pour le bouton C, enfin pour les C boutons qui sont là, vous mettez ce stick là. Voilà, voilà. Un combat épique de Samus sur le terrain de Samus. Ah ah. Qui va gagner? Samus rose ou vert? Faites vos paris. Apparemment Samus Rose est en train de perdre l'avantage contre Samus Vert. C'est ça en fait de dire qu'il s'amuse deux fois. Putain, merde. Ah ah. Putain, il est niveau max en plus. Il a pris que 25% de dégâts. Qui est pas mal pour un bot. Donc là voilà, je suis en train de jouer actuellement à Samus avec ma Xbox One. Enfin ma Xbox One. Non. Non.
Par contre, il est vraiment doué. Ah putain. Putain, il m'a eu deux fois. Je peux pas l'avoir une deuxième fois. Vas-y. Allez, je vais l'avoir une deuxième fois. Peut-être une première fois. Reviens, connard. Putain, il est plus beau que moi. Non! Putain, il m'a eu trois fois. Il m'a eu trois fois. Il a eu trois fois le rose. Bon, peut-être que ça porte malheur. Ouais. C'est mort. Pourquoi c'est lui qui arrive à chaque fois? Attention mesdames et messieurs, vais-je réussir en moins de 40 secondes à le foutre à terre de mes propres mains? Parce qu'il s'est suicidé une fois, ça compte pas. Putain, on s'est abusé là, pourquoi c'est lui qui a les Pokémon? Putain, ça arrive qu'à moi. Bon bah il a perdu, enfin j'ai gagné, enfin j'ai... J'ai perdu. Oui, je l'ai foutu à terre. Non. Non. Il a gagné. Je l'ai même pas tué une fois. Ah bah il a gagné mesdames et messieurs. Voilà, ceci est la fin du tutoriel. Voilà, je vous dis moustache carrée et à plus tard. Prochaine vidéo.